Le Conseil des arts du Canada est fier d'organiser le Forum national des arts littéraires à Montréal le 14 et 15 février prochain à l'Université McGill. Nous avons pensé, alors que le milieu de l'édition et de la littérature traverse des moments de transformation et de mutation, il est essentiel que les intervenants des milieux littéraires anglophones et francophones se rassemblent autour de la table et développer un dialogue qui va permettre à mettre en place une vision commune. Cette vision commune va nous permettre à développer aussi une feuille de route pour répondre aux changements et aux besoins des milieux littéraires. Le secteur du livre et de la création sont en profonde transformation actuellement. Il faut donc trouver ensemble les bonnes solutions pour assurer aux créateurs la meilleure des qualités de vie et assurer aux travailleurs culturels la meilleure des qualités de vie possibles. Du coup, il faut s'assurer que nous puissions poursuivre la création et la production d'une littérature très forte, de qualité, d'une littérature qui voyage partout dans le monde. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir pour s'assurer que la littérature prend sa place au cœur de la société. Currently, the ecosystem of writing, publishing, and reading is going through a period of unprecedented change. Within this ecosystem, this changing ecosystem, many of the securities, small but precious securities that once existed, particularly for writers, are now being eroded. I think that the National Forum on Literary Arts offers us a chance to discuss both these new challenges as well as some of the old challenges, and to also explore the new opportunities. The National Forum on Literary Arts means that this is a huge opportunity for the literary community of Canada to get together from all points on the map in Montreal in February to talk about and imagine and really blue sky the future of Canadian literature and writing and publishing, not only in a national context, but in a global one. Le Forum national sur les arts littéraires, c'est pour moi une grande opportunité de faire une incursion dans le monde ouvrier de la littérature. C'est le temps de faire aussi le bilan du passé et de s'interroger sur ce que l'avenir nous réserve. C'est surtout une occasion de travailler tous ensemble dans la même direction, et par tous ensemble, je veux dire à la fois les côtés francophones et anglophones. Et ça, j'avoue que c'est pas quelque chose qu'on vit si souvent dans le milieu littéraire, donc je pense que ça va vraiment être une occasion de s'arrêter, de faire le bilan et de voir ce qui s'en vient dans notre écosystème littéraire. I work for the Saskatchewan Arts Board, and the National Forum is a wonderful opportunity for us as funders to meet with the stakeholders in our business, in our industry, the writers, the publishers, the booksellers, academics, the people working in and around the creation and production and dissemination of Canadian literature. And there's a sea change going on right now, both in content as Aboriginal voices come forward and onto the page in increasing numbers, as the delivery of text is changing to different platforms, as interactive books come and authors possibly lose artistic control, as self-publishing comes forward. Traditionally, the curatorial role that editorial boards played, how will that play out? And as public funders, we want to be offering support to what is actually happening in Canadian literature and to the kind of activity that is getting our country's voices and visions out into the hands of listeners, viewers, readers, as the case may be. We used to just say readers. And so this opportunity to really understand what the issues are and to have a really good discourse with the people who are affected and who are both affected by the change and affecting the change, I think is absolutely invaluable. I'm really looking forward to it. Whenever I get a chance to talk with anybody within the milieu of writing and publishing, I'm amazed by how much we share the same interests, and that through sharing our knowledge and our understanding, any kind of conflict that may exist seems to dissipate. I've been working with a group of publishers and libraries talking about how we can get more ebooks into libraries, into Canadian libraries, and I'm impressed by just through
a number of conversations, we can all come onto the same page, all have the same interests, same goals. And I think this forum is going to give us a chance for a broader group of people to do the same thing, to be able to talk about what the future holds, and to be able to come up with, again, those shared goals, those shared interests, and map out what the future might hold. Eh bien, le Forum sur les arts littéraires, c'est une vitrine pour présenter le paysage complet des arts littéraires au Canada. Et je suis très fière de représenter le secteur des arts de la parole, qui est évidemment le socle sur lequel la littérature a commencé. Les arts de la parole représentant la poésie performée, le spoken word, la littérature orale, qu'on appelle aussi le conte. Le Forum national sur les arts littéraires, ce sera une occasion pour la communauté littéraire à travers le pays de discuter des enjeux qui concernent en ce moment que ce soit la création littéraire ou l'édition ou la diffusion plus générale de la littérature. Et comme en ce moment nous sommes dans un contexte où de grands changements s'annoncent, je crois que les occasions que nous avons qui peuvent se présenter, de réfléchir sur tout ce qui va concerner l'avenir de notre pratique littéraire, notamment ce qui concerne les écrivains. Alors ces occasions-là, il faut les prendre et il faut en profiter pour discuter en profondeur de tout ce qui risque de nous affecter comme écrivains ou comme conteurs ou comme intervenants dans la diffusion de la littérature. Many of us who work in writing, who are writers or work in writing and publishing, already keep an at least sporadic touch with each other, whether through friendships or professionally. But these occasional larger gatherings are really precious for a number of reasons. To take the pulse of the community, of the industry, to map out the possibilities, to figure out what continuity can look like or will look like or should look like in a changing world. And especially by bringing writers together and people who work in cultural industries to remind ourselves that what we do isn't some kind of esoteric frivolity that we all labor away at in our solitudes, but that literature and the arts are an integral part of what makes us human. I think there will be a lot of discussion that can reach people in many different areas. I think it will be a broad discussion on issues that are impacting the industry as a whole, so it will be very inclusive. So I think it can be very useful for people to refer to the outcome of the forum and find their own way, but I think there'll be a lot of new information about the environment as it exists today. My personal aspiration for the forum, in a perfect world, it would result in more Canadian stories being told. There would be a flourishing of stories, and there would be more people to take part and to feel included. And the ideal would be that every Canadian feels that their story is being told. Les résultats que ça pourrait avoir, à tout le moins, c'est une prise de conscience de chacune des communautés de l'importance des contributeurs, que ce soit du côté canadien-français, que du côté canadien-anglais, l'importance des contributeurs pour la mise en valeur de nos créateurs d'ici, leur assurer une voix qui porte autant au niveau local qu'au niveau mondial, parce qu'on est dans un monde mondialisé, globalisé. Ça va être la prise de conscience du rôle de chacun, je pense, devrait être un des résultats. Le second, okay, j'ai comme l'impression que c'est pas deux solitudes, on va se rendre compte. En tout cas, c'est un petit peu ce que je pense qui va faire jour, c'est qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas deux solitudes, qu'on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes situations, qu'on soit du côté anglophone que du côté francophone. I hope that we can move together with strength, optimism, and courage. I hope that our communities will work together, the writing and publishing and reading communities. I hope that we will take the opportunity of the digital revolution to find a way to move forward to create something new and exciting in a particularly and specifically Canadian context. I hope we take this as a great opportunity to be something wonderful. The world is changing for writers and for publishers and for readers, and it's a great chance for us to take stock and to see where we're going to go. And I know we've done wonderful things in the past, and I'm sure we're going to do amazing things in the future.